Et bonjour, ça va? On va à la plage des Catalans. Il y a un mot qui m'a interpellé, c'est le mot sacrifice. Parce qu'il y a deux façons on va dire, de ressentir ou de faire des sacrifices. C'est-à-dire qu'il y a la part professionnelle, on va dire, dans l'intention d'un résultat. Mais après, là, le terme, là, c'est plus spirituel, on va dire, le sens du sacrifice. Je pense que c'est une forme de. Je pense que dès l'instant où on est parent, on est papa, là d'un coup, je le sens, et le sacrifice prend toute sa dimension. Ce que j'adore, moi, dans la religion, c'est la famille, c'est les fêtes. Genre, j'adore Pâques. Et je trouve dans toutes les religions, il y a comme ça, c'est le fait de se retrouver. Et ça, c'est génial. D'ailleurs, je crois que l'année prochaine, je vais essayer de. J'ai jamais fait le carême, intellectuellement et spirituellement. Je pense que c'est pas mal de se mettre un petit peu comme ça, voilà, dans de privation pendant 40 jours. Puis, si je peux perdre quelques kilos en plus. Non, 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 là, c'est pas besoin de ça. On est beaucoup trop sur le matériel, matérialisme et l'immédiateté. Pendant le confinement, il y a eu des moments de grâce, je trouve, parce que tout était calme. Le temps s'est arrêté. Et on a pu un peu se retrouver dans des choses simples. Enfin, j'ai l'impression d'être Charles Ingalls dans ma petite maison à la prairie. Couper du bois, faire des gâteaux. Enfin, je ne sais pas si ça vient de Dieu, mais je crois qu'on a eu une occasion avec cette pandémie de se remettre un petit peu en question. Je ne sais pas si j'aurais bien fait. Évidemment, chaque fois, on fait un peu n'importe quoi à l'arrivée, mais voilà. C'est l'occasion d'essayer en tout cas. Voilà. Ah ben là, on arrive à la plage des Catalans. C'est Marseille dans toute sa splendeur. Tous les quartiers se croisent et c'est un endroit que j'aime beaucoup. Voilà. C'était un vrai plaisir. Je fais un bisou à ma maman qui vous regarde tous les dimanches matin. Je vous souhaite un bon dimanche et ben voilà, et beaucoup de bonnes choses. Portez-vous bien. Salut. Je vais essayer de ne pas me faire écraser. Ce serait dommage, quoi. Après une super discussion comme ça. Ciao!